Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à House, film japonais de 1977, réalisé par Nobuhiko Obayashi. Une lycéenne rend visite à sa tante malade en compagnie de 6 amis. Isolée dans une grande demeure, perdue au milieu de nulle part, les jeunes filles assistent à d'inquiétants événements surnaturels une fois la nuit tombée. Hormis une projection au Festival du film fantastique de Paris en 1978, House de Nobuhiko Obayashi n'a jamais eu les honneurs du grand écran sur le territoire français. Une injustice réparée, 46 ans plus tard, le film bénéficiant d'une sortie limitée en salle avec quelques séances proposées ce 28 juin, l'occasion, si vous ne le connaissez pas encore, de découvrir un long métrage tout à fait singulier à bien des égards. Délaissant rapidement les études de médecine vers lesquelles sa famille le destinait, Nobuhiko Obayashi s'oriente alors vers les arts plastiques. Lui qui nourrit depuis l'enfance un intérêt tout particulier pour l'animation et le cinéma, va se consacrer à l'élaboration de courts-métrages expérimentaux. L'université terminée, Obayashi se retrouve en charge de la réalisation de plusieurs publicités pour le compte de l'agence Dentsu, des films publicitaires tout aussi avant-gardistes que les courts-métrages qu'il continue à bricoler en parallèle et qui définiront son style futur, notamment dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, House, premier long-métrage de sa très longue carrière. Si House apparaît au visionnage comme une œuvre complètement folle, on peut dire que sa conception l'est presque tout autant, de la pré-production au tournage. Alors que Les Dents de la Mer est le succès de l'été 1975, la Toho, célèbre maison de production japonaise, demande à Obayashi d'écrire un scénario se rapprochant de celui du film de Spielberg. À la place, Obayashi choisit de s'inspirer à la fois des rêves de sa fille de 10 ans et de ses propres traumatismes liés au bombardement de Hiroshima, pour rédiger, aux côtés de son ami et scénariste Shio Katsura, ce qui deviendra un film de fantômes japonais. Malgré un scénario plus que nébuleux, la Toho finance le projet, le studio perdant de toute façon de l'argent avec des œuvres beaucoup plus accessibles, mais refuse toutefois de confier la réalisation à Obayashi, ce dernier n'appartenant pas véritablement à la maison de production. Alors que personne d'autre n'est prêt à s'engager sur un projet ayant aussi peu de sens, et que de son côté, Obayashi décline, avec succès, son scénario sous diverses formes, allant du manga au roman, la Toho est contraint de faire marche arrière et de s'en remettre à lui. Sur le tournage, les choses se passent de manière tout aussi improbable, les méthodes de Obayashi n'étant pas des plus conventionnelles aux yeux de l'équipe, que ce soit en matière de direction d'acteur que de la réalisation en elle-même. Impossible d'imaginer le résultat final de ce qui est en train de se tourner, Obayashi lui-même doutant du rendu de certains effets. Dans House, Obayashi met en scène une adolescente bouleversée par l'annonce faite par son père, compositeur renommé et veuf, de l'intention qu'il a de se remarier, qui plus est avec une femme qu'elle ne connaît même pas. Réfugiée dans sa chambre de jeune fille, au papier peint motif floral rose, celle qui voit généralement la vie de la même couleur, se replonge avec nostalgie dans les souvenirs de quelques photos datant de l'époque où sa mère était encore vivante. Elle prend alors la décision d'abandonner le projet de voyage en famille initialement prévu avec son père, préférant reprendre contact avec sa tante, qu'elle n'a pas revue depuis 10 ans, et de lui rendre visite avec 6 de ses amis. Noyée sous une musique sirupeuse, des personnages aux prénoms improbables et aux sourires toujours éclatants évoluent, tels des poupées vivantes, de scène en scène, dans des cadres décalés, affichant la plupart du temps des poses tout sauf naturelles et offrant un jeu des plus outrés.
En dépit d'un début de métrage digne d'un soap-opéra ou d'un manga destiné à un public plutôt jeune et féminin, House offre pourtant un terrain propice à toutes les folies. Si le film apparaît déjà très cartoonesque dans son premier tiers, l'arrivée dans le manoir va pourtant plonger nos héroïnes, comme le spectateur, dans une suite d'événements imprévisibles et tous plus délirants les uns que les autres, nous faisant nous demander à de multiples occasions à quoi pouvait bien carburer son réalisateur. Notre bande d'adolescentes insouciantes s'amuse et profite de leur séjour, mais réalise bientôt que l'endroit est manifestement hanté et qu'il s'y passe des choses pour le moins étranges, puis carrément horribles. Une des sept jeunes filles va ainsi se faire mordiller frénétiquement le derrière par une tête tranchée sortie d'un puits, quand une autre va se battre contre des rondins de bois belliqueux, se retrouver coincée dans les engrenages d'une horloge, se faire assaillir par des matelas ou finir dévorée par un piano. Ah oui, il y a aussi un chat qui vomit du sang. Tout ça se passant sous l'œil malicieux et un brin pervers, il faut bien l'avouer, d'une tante cannibale qui peut se téléporter en passant par son frigo. Rien que ça. C'est tout l'art de Obayashi que de parvenir à non seulement capturer des idées concevables pour un enfant, mais qu'un esprit adulte aurait sans doute toutes les difficultés à expliquer, et à le reproduire dans un film qui réserve des surprises à chaque instant, laissant le spectateur abasourdi. D'autant qu'en plus, le rythme y est très soutenu. Transition improbable, stop motion, superposition, effets stroboscopiques, animation dessinée, split screen, filtre de couleur, matte painting, tout y passe pour proposer un film unique en son genre, décalé, surréaliste, extrêmement ludique et finalement très amusant à regarder malgré les horreurs subies par nos protagonistes. Si la plupart des éléments mis en place par le réalisateur sont destinés à faire passer au spectateur un moment de pur divertissement, on peut également se laisser cueillir par la mélancolie de certaines scènes. Derrière les horreurs abstraites et enfantines se cache la peur de grandir et de subir les obligations qui en découlent. Si chacune des jeunes filles porte un prénom reflétant l'élément principal de sa personnalité, Kung-Fu pour celle qui pratique les arts martiaux, Prof pour l'intellectuel de la bande, Angel pour son physique, Mac, diminutif d'estomac pour la bonne vivante, etc., etc., c'est en partie pour souligner la perte d'individualité qui surviendra pour ces femmes arrivées à l'âge adulte, notamment via le mariage, chacune des morts intervenant dans le film pouvant représenter un des effets de cette institution, ou du moins de certaines injonctions ou de pressions exercées par la société japonaise. Évidemment, la tante, sous ses airs malicieux et malgré les tourments qu'elle inflige aux jeunes filles, apparaît comme le personnage le plus tragique du film. Elle, qui s'était fiancée avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais revu son mari après que ce dernier se soit fait enrôler pour partir au combat. Restée seule et cloîtrée durant de nombreuses années, elle s'est laissée dévorer par l'amertume et le chagrin pour se transformer en une espèce d'esprit vengeur, bien déterminée à transmettre à cette nouvelle génération et en particulier à sa nièce sa profonde douleur. Une manière de refléter, dans une histoire de fantômes, les répercussions d'événements passés sur notre présent. Fable sombre et comique, spectacle débordant d'imagination, exubérant tant dans son esthétique que dans son montage, House offre un récit d'horreur comme vous n'en verrez pas tous les jours. Une œuvre inclassable que je vous invite, vous l'aurez compris, à découvrir de toute urgence. Si vous appréciez les chats, les pianos ou les pastèques, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut !